Nous sommes aujourd'hui ici à Ziguinchor avec l'ensemble des acteurs du mouvement Navetan, en l'occurrence NORGAM, qui est une institution vraiment qui fait ses éloges dans l'accompagnement des jeunes. Et le plus important aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de l'autonomisation des ASC. Donc aujourd'hui, les dés sont jetés. Les ASC de la Casamance ont compris qu'il faut automatiquement l'autonomisation de leur structure et accompagner des technocrates, des professeurs, d'éminents professeurs qui sont là, en l'occurrence M. Sow, et dans le cadre de la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, par le biais du leader Doudouka, qui est un leader incontestable de la Casamance aujourd'hui, qui tient à l'autonomisation de ces ASC, et nous allons travailler main dans la main avec ces organes dans le cadre de l'accompagnement socio-économique pour la création d'emplois, pour l'autonomisation, la création des valeurs au niveau local. Donc encore une fois, cette rencontre est vraiment fructueuse quand même, et ça nous permet aujourd'hui de montrer que la Casamance est positive, de montrer que l'organe avec Monsieur Diassi, toute sa structure, elle est vraiment prête aujourd'hui à adopter ce projet et à travailler avec l'UGES et avec le leader Doudouka dans le cadre de l'autonomisation des ASC.